Chazard, bonjour. Vous êtes le propriétaire du Mobit. Parlez-nous de votre manège. Alors, c'est un Mobit de construction KMG, d'année 1998. Il y en a deux en France. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Dans le monde, il y en a 9, on avait dit. 9 dans le monde, et voilà. Après, il y a plusieurs fenêtres, plusieurs constructions. Allez-y, installez-vous. En combien de temps mettez-vous pour le monter ou le démonter? Alors pour le montage, ça comprend environ 5-6 heures et pour démonter, 2h30, 3 heures, ça dépend. C'est votre premier manège ou avant avez-vous un autre manège? Alors avant j'avais un château gonflable et j'ai débuté sur les manèges avec mon père aux autoscolaires. J'avais une machine à coups de poing, après comme tous les jeunes. Avant d'acheter le Mobit, pensez-vous à acheter notre manège? J'avais le début sur une balançoire, mais trop de balançoires en France. J'ai acheté un Mobit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les commandes de votre manège? Alors voilà, alors là vous avez le bouton pour démarrer un tapon, les lumières, faire tourner la nacelle, le Mobit, le bras d'en bas, monter, descendre, le frein des vérins. Est-ce que vous visitez les villes où vous allez? Ça dépend des semaines. Il y a des semaines on a le temps, des semaines on n'a pas le temps. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre tournée? Faites-vous des zones bleues? Principalement les zones bleues. J'ai pas beaucoup de fêtes foraines de place à moi. Alors je fais principalement des zones bleues en région Rhône-Alpes. Si vous avez des fêtes à me proposer en région Rhône-Alpes, merci. Est-ce que c'est vous qui tenez la page du Mobit, la page Facebook? Oui, je tiens la page du Facebook du Mobit. C'est moi qui l'ai créé et c'est moi avec 2-3 copains qui sont dessus. Que passez-vous comme musique sur votre manège? Un peu de techno, hit rock, électro, ça dépend des clients. En combien de convois est votre manège? Tout sur une seule remorque. Quelles sont les améliorations faites sur votre manège depuis votre acquisition? J'ai refait la peinture, l'hydraulique, j'ai refait notre système de démontage, on a mis des LED, puis voilà. Y aura-t-il des nouvelles améliorations? La façade, la caisse, normalement c'est prévu. Et peut-être une gare, une file d'attente. Avez-vous des idées pour votre façade? Non, je cherche. Ben, j'ai beaucoup d'idées, mais je ne sais pas quoi faire. Très bien, monsieur Chassard, je vous remercie beaucoup pour cette interview et bonne continuation. Merci, au revoir.